Salut à tous et à toutes, c'est Shadow Nightmare et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la bêta de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. On va résumer ça à Ghost Recon Wildlands, hein, tout simplement. Donc on est sur la bêta fermée, donc qui était offert, enfin certaines personnes pouvaient avoir accès à cette bêta en demandant un code via le site Ubisoft, enfin plutôt Uplay ou je sais plus comment ils appellent ça maintenant, Ubisoft Club si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai pu tester en ayant un code et j'ai testé ça, j'ai fait tout, toutes les missions faisables et je me suis dit bah pourquoi pas vous faire une vidéo dessus pour vous donner mon avis, sachant que c'est un jeu que j'attendais pas du tout à la base. J'adore les Ghost Recon mais pour celui-là j'attendais pas du tout. Donc déjà, première nouveauté de ce monde, enfin de ce monde, de ce jeu, c'est tout simplement que c'est un monde ouvert, donc entièrement ouvert. Vous voyez que la map est assez grande. Bon après je ne sais pas vraiment si elle sera aussi grande que ça en vrai. Je pense que oui, mais bon, on verra ça plus tard. En tout cas, nous, on a accès juste à une petite partie que je vais vous remontrer, qui est donc entourée de ces grandes lignes blanches foncées qu'on peut voir tout autour. Donc, il y a quand même déjà assez grand. Je n'ai pas tout exploré, je n'ai pas exploré grand-chose, à vrai dire. J'ai juste fait les missions donc, que vous pouvez voir à gauche, donc en faisant Y, et nous avons 6 missions à faire, et je crois qu'on peut les recommencer si on veut. Oui, c'est ça, on peut les recommencer également. Donc les missions se font plutôt vite, mais bon, ça occupe déjà, mais après vous avez également pas mal de choses à récupérer, de choses à visiter, de points de compétences et tout à apprendre. Moi personnellement dans les bêtas, je me donne jamais à fond parce que tout simplement, on devra les recommencer après la bêta. Donc pour moi, voilà, je fais juste les missions qui en général vous donnent un gros aperçu de ce que va donner le jeu complet. C'est pour ça que j'ai juste fait l'émission. Et vous avez également les compétences, donc on va regarder ça tout de suite. Il y a plusieurs arbres de compétences, si on peut appeler ça comme ça. Il y a puis rebelles qui se débloquent en faisant des missions pour eux, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez les squads, donc là j'ai rien amélioré encore, mais voilà. Vous avez ça, vous avez plusieurs choses quand même à faire en fonction de vos niveaux. Donc par exemple, moi je peux faire ça. Et il vous faut, excusez-moi, un ou plusieurs points de compétences. Là il en fallait 3 si je ne dis pas de bêtises, donc bon, j'ai perdu tous mes points de compétences, mais des fois il vous en faut juste un. Également ces petits trucs verts que vous voyez, que je vais appeler ça des ressources, qui sont des ressources par rapport à plusieurs choses, et ces choses vous allez en avoir pour augmenter certaines capacités dans vos arbres. Donc voilà, là c'est les mêmes mais pas tout le temps, donc il y a plusieurs choses, hein. Voilà, vous avez quand même de quoi faire, vous avez l'arme, le lance-grenade, etc. Donc c'est plutôt cool, le drone amélioré qui est vraiment utile. Donc moi j'ai augmenté la portée et la batterie, parce que ça s'use assez vite. Après bien entendu, il va pouvoir avoir plusieurs choses comme la vitesse, etc. Mais ça bien entendu, c'est pas débloquable durant la bêta. Enfin, peut-être que si d'ailleurs, peut-être que si. Juste que j'ai pas été niveau 7, donc sûrement que c'est peut-être faisable. Vous avez le matériel également, donc le parachute que j'ai tout de suite mis parce que c'est vraiment utile. Et après, bon, voilà, vous avez plusieurs choses. Je vais pas me rester là-dessus parce que, bon, voilà, c'est plus ou moins ce qu'on a l'habitude de voir. Même si je trouve que l'arbre à compétences est plutôt sympa dans le sens où il ne vous faut juste pas un point de compétence. Il vous faut également des provisions. Donc, vous allez trouver ça sur la map. Ensuite, vous pouvez modifier, bien entendu, votre personnage. Bon, ça, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est un peu comme un peu tous les jeux qui sont open world. Bon, les détails ne sont pas vraiment poussés, hein, comme sur un Skyrim ou etc. Mais en même temps, on est sur un TPS, donc on va pas se plaindre. C'est déjà bien d'avoir un semblant de personnalisation, mais il y a de fortes chances que quelqu'un d'autre ait également le même skin que vous. Ensuite, vous avez les équipements, donc vous pouvez équiper ce que vous voulez. Moi, j'en ai 4 pour le moment, mais voilà, vous pouvez équiper plusieurs armes et l'état des factions. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est ce qui patrouille en général. Donc nous, on est les Kingslayer, il y a les forces rebelles, et les ennemis, c'est le cartel de la Santa Blanca et les forces de l'Unidad. Donc ça, c'est plutôt l'armée qui se déroule dans ce pays, et nous qui sommes des alliés, entre guillemets. Enfin voilà. Et vous pouvez également rejoindre une escouade, etc. Donc le jeu est jouable à 4 maximum, donc qui est plutôt sympa et qui est pas trop, hein, c'est vraiment bien. Et après, vous pouvez bien entendu vous mettre en hors ligne pour jouer en solo. Donc j'ai testé en coop et c'est plutôt sympa. Donc déjà, ce qu'on va faire nous, c'est que je vais vous montrer un hélico pour vous faire voir un peu du gameplay ailleurs. Donc là, il y a 3 autres PNJ qui sont,
Bah, tout simplement contrôlé par l'intelligence artificielle quand vous jouez en solo. Mais si vous jouez en coop, si vous êtes deux, vous allez être que deux. Ça, je trouve ça un peu dommage. Ils auraient pu quand même en laisser quatre, mais bon, c'est pas grave. Parvenir là-dessus, mais enfin bref. Donc nous, on va se diriger vers l'hélico et je vais vous donner un peu mon avis. Alors, sur l'avis de Tom Clancy's Rainbow Six... Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, je sais même pas pourquoi je dis Rainbow Six, peut-être parce que j'y joue trop un peu en ce moment. Moi, mon avis, c'est que, bon, j'étais pas pour l'acheter et maintenant je suis pour l'acheter, mais... Il y a des mais, alors notamment, voilà, là je vais y revenir parce que là je me fais tuer, et je vais revenir là-dessus, notamment la jouabilité des véhicules. Alors je sais que chez Ubisoft, on n'est pas très doué pour faire des jeux, enfin pour faire des véhicules qui sont facilement maniables, mais là, bah, ça laisse en l'être. En fait, on est habitué à certaines touches, par exemple, sur Xbox en tout cas, appuyer sur Y pour entrer dans un véhicule. Là c'est X, faut maintenir X, bon, ça peut passer. Mais ça fait un peu chier quand même. Et la caméra va tout le temps vous énerver, que ça soit en moto, en voiture, en hélico, moins en hélico, mais le reste, la caméra va extrêmement vous énerver. Et ça, c'est un gros point négatif parce que bah moi, j'ai l'habitude de jouer avec la caméra en étant en voiture et elle me saoule souvent. Et ça, c'est un peu dommage. Autre chose aussi, les ennemis vous tuent extrêmement vite. Ça, c'est autre chose, mais ça peut venir de la difficulté. Je sais plus la difficulté que j'ai choisie au début. Donc ça peut venir de ça, mais je trouve que les ennemis nous tuent vraiment vite. Et également les grenades, par exemple, quand un ennemi nous lance une grenade, on n'a pas le temps de réagir. La grenade va exploser tout de suite, on va nous dire qu'il y a une grenade et la grenade va exploser tout de suite. Ça c'est un truc que j'ai remarqué, on n'a même pas la possibilité, enfin on a peut-être la possibilité de renvoyer la grenade à l'envoyeur, mais j'ai pas pu tester, parce qu'à chaque fois qu'une grenade m'était envoyée, elle explosait aussitôt. Donc bah c'est un peu chiant. Après aussi, un autre truc bon, qui n'a rien à voir, mais ça je vais quand même le dire. Je suis habitué au Ghost Recon, mais là malheureusement faire un open world, alors bon, c'est très bien, mais par contre l'avoir appelé Ghost Recon, je ne sais pas trop. C'était une bonne idée ou pas, mais enfin bref, je ne sais pas quelle était l'idée de l'appeler Ghost Recon. Ils auraient pu tout simplement lancer un autre truc, parce qu'il y a plusieurs éléments de gameplay. Hein. Il n'y a pas que ceux d'un Ghost Recon, il y a plusieurs choses. Donc là actuellement, je suis avec une caméra qui va me permettre de pouvoir marquer les ennemis. Donc qui est plutôt cool, qui est plutôt sympa et donc j'ai eu l'habitude d'utiliser sur Watch Dogs 2. Donc c'est plutôt cool de faire ça et ça permet voilà, de faire plusieurs choses. En parlant des drones, je trouve que bon la portée etc ça va être amélioré mais c'est un peu chiant pour le début. Mais enfin bref, après on peut zoomer etc donc il y a plusieurs choses sympas. Également ce qui est dommage aussi c'est qu'on n'a pas de drone roulant, je sais pas si on peut appeler ça roulant mais de drone... comment vous dire ça? Bah de drones qu'on peut contrôler, mais des drones voitures, quoi, si vous voulez, un peu des RCXD ou je sais plus comment ils ont appelé ça sur Watch Dogs 2, moi j'appelle ça le jumper, mais c'est peut-être ça. Regarde, là j'ai appuyé sur la grenade, je me suis gouré de touches, j'ai vraiment du mal avec les touches parce que on vous explique pas grand chose au début, hein. On vous explique pas grand chose, voilà, pour retirer le silencieux par exemple, il faut viser, enfin là je vais le mettre, mais pour retirer le silencieux, il faut viser comme ça et appuyer sur la flèche du haut. Sauf que si on le voit pas sur l'écran du bas, bah on le sait pas. Et ça c'est un peu dommage. Mais enfin bref, ça après je pense que ça sera mieux dans le jeu complet, ça sera mieux expliqué. Mais là dans la bêta on nous lâche un petit peu comme ça la One Again et bah on sait pas vraiment quoi faire. Et ça je trouve c'est un peu dommage de nous avoir lâché directement comme ça sans trop nous donner les bases. D'ailleurs mon silencieux il s'est enlevé, pourquoi je ne sais pas. Ça me fait bien chier d'ailleurs. Bon, je me refoute là. Et je vais le viser. D'accord, bon bah je suis mort. Je meurs extrêmement vite dans le jeu. Bon, pour continuer sur mon avis, parce que je pense pas que ça va être une vidéo longue, parce que je pense que vous êtes spammé sur YouTube de vidéos sur Ghost Recon Wildlands. Mais l'avantage de mes vidéos, c'est que bah, je meurs tout le temps, donc c'est pas très passionnant à voir. Non, pour dire mon avis, après avoir testé la bêta, les multijoueurs, le jeu n'est pas mauvais, il a quelques lacunes, notamment par exemple quand je suis collé contre un mur. Bah quand on arrive au bout, notre personnage continue. Bon, par exemple, si je le fais, bon, l'autre il va me gêner, bien entendu. Mais par exemple, si je me colle là, et bah, mon perso va directement se décoller. J'entends par là que par exemple, ils auraient pu faire une touche à la Assassin's Creed ou Watch Dogs. Par exemple, appuyer sur A et notre personnage se colle. Et quand on va trop loin, bah, il se décolle pas. Et ça, c'est un peu dommage parce que des fois, on n'a pas l'habitude d'aller jusqu'au bout. C'est un peu dommage, mais bon, il y a quelques... Le gameplay est assez chiant. L'idée est bonne, alors franchement, l'open world est vraiment bien. Graphiquement, je trouve vraiment le jeu beau. Il n'y a rien à dire là-dessus.
Après, c'est sur la jouabilité des véhicules que je trouve ça vraiment dommage. J'ai vraiment du mal à contrôler les véhicules. Il n'y a que l'hélicoptère que j'arrive à peu près à contrôler. Mais pour ce qui est du reste, j'ai vraiment du mal. Pour ce qui est du gameplay, on va dire silencieux, enfin quand on attaque, c'est vraiment bien réussi aussi, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de grand choix. Le fait qu'il y ait le drone, bon, ça rajoute un côté Ghost Recon qu'on a l'habitude de voir sur les jeux et qui est plutôt cool, mais peut-être pas assez abouti que sur certains Ghost Recon. Certains Ghost Recon, on avait vraiment des armes assez cool, assez sympas. Bah là, on n'a pas vraiment grand-chose. Donc l'open world est beau, l'open world est grand, j'imagine, parce que bon, là, on a un petit accès, mais j'imagine qu'il sera grand. Malheureusement, je pense que le jeu va être assez répétitif, comme l'était The Division. J'ai adoré The Division, mais par son côté, ce qui m'avait surtout donné l'envie dans The Division, c'était la Dark Zone, que j'avais extrêmement aimé, le concept, le fait de, bah voilà, que quand on arrive dans cette zone, on ne sait pas si on va tomber sur quelqu'un qui va nous tuer, qui va nous aider, qui va peut-être nous aider à avoir du stuff, mais quand on va l'avoir, bah, nous tuer. Là, le souci, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui m'attire. Je vais acheter le jeu sûrement, pas Day One, parce que il me donne pas envie. C'est un jeu vraiment multijoueur, si vous êtes à 2 minimum, mais à 4, c'est encore mieux. Pour faire l'émission, je pense que vous allez vraiment vous plaire. Je ne conseille pas du tout le mode multi avec des gens qu'on ne connaît pas. J'ai testé, c'est vraiment horrible. On tombe sur, bon, comme la plupart des jeux multijoueurs, mais on tombe sur des gens qui vont sûrement faire les cons et pas agir comme vous. Si vous cherchez voilà, quelqu'un qui veut agir comme vous, jouez avec des gens. Si vous n'avez pas d'amis qui y jouent, je vous le conseille moins. En tout cas, bah, priez. Et voilà, j'ai peur que le jeu va vite être lassant. Parce que les missions, je les ai testées, je les ai faites. C'est très répétitif. Vous allez vider une zone, si vous y arrivez, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, tant pis, vous allez recommencer. Et voilà. Donc le jeu n'a pas vraiment, d'identité. Enfin, les missions sont assez simples et vont être très répétitives. Et malheureusement, je pense que c'est un gros point négatif. Donc voilà un peu ce qui était pour mon avis sur Ghost Recon. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo courte, mais je vais pas rester sans s'étendre dessus. Parce que je pense que d'autres youtubeurs font des vidéos mieux que moi. Et que moi, j'ai pas... Franchement, la bêta m'a donné envie de l'acheter, mais à bas prix, parce que justement le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'histoire. Il y a sûrement une histoire, mais généralement, vous le savez très bien, je pense, dans les FPS ou dans les TPS en général, les histoires ne sont pas vraiment accrocheurs. Bon, à part comme Halo par exemple, qui est une histoire vraiment bien, mais je veux dire, la majorité des FPS ou des TPS ont une histoire assez basique où qu'il va falloir tuer les méchants parce qu'ils sont méchants. Et là voilà, c'est un peu ça, mais le gameplay est bien, le gameplay est bien fait, un peu ardu au niveau des véhicules si vous n'avez pas l'habitude des jeux Ubisoft. Moi je commence à avoir l'habitude, donc je sais comment les véhicules se gèrent, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça va vraiment être dur pour vous, parce que c'est différent de ce que vous avez joué. La caméra par contre, elle m'énerve, mais bon, ça c'est autre chose. Donc voilà un peu pour ce qui était de mon avis. En attendant les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur Ghost Recon Wildlands. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de faire une vidéo dessus. La bêta sera terminée d'ici que la vidéo sorte, normalement je pense. Parce que je vais la sortir sûrement un dimanche, donc voilà, ce sera le dimanche d'après. Mais voilà, donc pour résumer vite fait mon avis, c'est que le jeu est bien, a de très bonnes idées. Mais malheureusement, il va être gêné par une répétition des missions, tout simplement. Je pense que les missions vont se répéter. Il n'y a pas, par exemple, des missions comme exfiltrer des otages, etc. Je sais qu'on peut le faire, hein, vous inquiétez pas, j'ai vu. Mais je pense que les missions ne vont pas être assez différentes les unes des autres. Ça va juste être vider des zones, comme là, par exemple. Et même si vous n'êtes pas discret, c'est assez simple de vider la zone. Donc, voilà. Le souci des missions fait que le jeu va être moins accrocheur, je pense. En tout cas, il y avait de bonnes idées derrière, et je pense que s'ils en font un 2, il sera encore mieux. Mais bon, ils ont pris quand même 4 ans apparemment pour faire ça. Le travail n'est pas mauvais. Je pense juste qu'il sera mauvais du côté des missions. Mais de toute façon, quand je jetterai le jeu, je vous referai une vidéo dessus, et mon avis sera plus abouti. Mais je ne prendrai pas le jeu tout de suite. En tout cas, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. Si elle ne vous a pas plu, bah, dites-moi pourquoi. Même si je comprendrais totalement que voilà, ça ne vous a pas plu, parce que bon, je n'ai pas montré grand chose, je vous ai juste montré un peu de les compétences à faire, etc. C'est vrai que j'ai pas vraiment montré de vidéo de gameplay, etc. Mais en même temps, bon, c'est un TPS, donc on a plus l'habitude, hein, faut tuer les méchants. Et malheureusement, il n'y a pas vraiment de grande différence dans le gameplay, dans le sens où que voilà, à part le drone qui est un petit joujou sympa, il n'y a pas vraiment autre chose. Donc voilà.
Sur ce, moi je vous dis geek et bien, à mercredi prochain pour une vidéo sur Assassin's Creed Syndicate. Et pour le dimanche d'après, ça sera sûrement une vidéo sur un jeu, un jeu Telltale, j'essaye de rouler en même temps, sur un jeu Telltale ou sur un autre jeu, au choix, vous verrez bien. En attendant, moi je vous dis geek et bien, c'était Shadow Nightmare, et à la prochaine vidéo.